Salut à tous, c'est Mister Freeze, on se retrouve pour la suite de Suikoden 2. Dans la dernière vidéo, si vous vous rappelez, merde, je vais pas lancer de combat. donc je disais, oui, dans la dernière vidéo, on avait le choix entre deux chemins, celui qui nous amenait au point de sauvegarde, pardon, et un autre chemin bah, que j'ai pas pris du coup. Du coup, je l'ai fait hors vidéo et il y avait un tout petit chemin avec au bout deux coffres. Deux coffres avec du coup ça dedans. Qui est vraiment sympa, force plus 15, défense plus 7. Donc on va le mettre sur Mr. Freeze parce que c'est complètement cheaté. Hop. Et ça aussi on va le mettre. Comment on le met ce truc? Parce qu'on a pas de perso qui peut le mettre, je pense. Armeur de cuivre. Et on avait dedans, ouais, pierre de défense qui augmente la défense définitivement. Tous les trucs comme ça, je mets tout sur Mr. Freeze puisque c'est le perso qu'on aura forcément tout le jeu. Donc je préfère le mettre sur lui. Voilà, donc on a un petit point de sauvegarde. On va quand même vérifier notre équipement avant de continuer. Grand, ouais. Est-ce qu'il est pas mieux que cette merde? Si. Voilà, on va lui mettre des remèdes méga. Voilà. Oulan, elle va bourriner comme une tarée. Vous voyez qu'elle a ça, c'est vraiment sympa. Hein. Défense plus 16, force plus 14, plus 15. On peut pas l'enlever, donc c'est un truc qu'elle a tout le temps. Mais c'est vraiment sympa. Lui, bon, il a tous les petits trucs comme ça. De toute façon, j'ai pas d'autres casques, donc on s'en fout. Poisson grillé. On va lui mettre les souliers en bois. Poisson grillé, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Non, c'est pas ça que je vais faire. Remède. Elle a rien d'autre non plus. Amulette d'eau. Obento, donc ça c'est de la bouffe aussi. Je sais pas si je lui mets. Tiens, ça peut être sympa. Éclive. Qui a un giseau sacrificiel comme vous le voyez. Qui sert à recruter un des persos. Cap de. Il n'y a pas mieux que ça. Non, soit. Ouais. On va l'enlever. On va enlever le. Merde. On va enlever le giseau sacrificiel. On va le mettre. Allez, hop. Ok, c'est parti. J'ai pas pris les persos les plus forts forcément. C'est pour changer. À chaque fois, je prends des persos différents. Et là, tintin, trois yeux. Et c'est un rat. Oui, oui, c'est un rat. Oui, Pestrat. Ils l'ont pas traduit. On va faire ça. Elle. Elle va faire sa ruine comme d'hab. Lui, ses dégâts. Bah, lui, il a rien. Donc. J'ai mis des trucs de soin. Pour l'instant, il va attaquer. Elle, c'est pareil, elle a pas de rune. Je peux près les persos qu'on. Les plus utiles, hein, comme je l'ai dit. À part Oulan, qui est sympa. Il y a pas mal de persos vraiment sympas avec des runes qui sont uniques à eux et assez puissantes plus tard dans le jeu. Vous verrez ça. Alors, pour l'instant, il fait pas des dégâts astronomiques. Hein. Tant qu'il fait pas ses grosses attaques. Ouais, elle est un peu vénère. Shoryuken! Oulan, c'est un très bon perso à ce niveau-là du jeu. Elle va se soigner elle-même. Continuer de faire les bourrins. Pour l'instant, je pense pas qu'il y ait besoin de soigner les autres. Thank you.
si fait que ça va servir, hein, le sort d'un ami. Esquiver les attaques normales, comme d'hab. T'as une nouvelle fin de secours critique, taille haut. Là, on pourrait faire le gros soin de Danemi. Qui a un effet visuel assez sympa. On va continuer de brûler avec lui. Puis les autres comme d'hab. Hein. En fait, les effets de sort sont... Graphiquement, il a un peu vieilli. Mais contrairement à Tsukuden 1, les effets de sort sont toujours aussi jolis, quoi. Ouais, c'est pas un boss, il est un peu long parce qu'il a pas mal de vie, mais il est pas surpuissant. Allez. Faut quand même soigner l'ennemi un peu. Le problème de l'ennemi, c'est que je lui ai pas mis de beaucoup de défense, donc elle a moins de vie que certains persos qui sont derrière. On va faire cette attaque qui est assez sympa. Ah, ça. Là, on va manger. Oh le con, deux fois de suite. Ça je m'y attendais pas, je vous l'avoue. Ok. j'ai aucun truc pour Rez, parce que j'ai une rune résurrection que je n'ai pas attachée. Bah on va devoir attaquer. C'est le moment je pense de faire ça. Ne vous inquiétez pas, pour les vrais gros boss bien puissants, je prendrai des persos mieux. Bah après les persos là que je prends sont pas nuls, mais faudra leur mettre des runes. Que ce soit vraiment, vraiment très efficace. Ah, cette attaque est super chiante. S'il l'a fait qu'une fois ça va encore, mais quand il l'a fait deux fois comme tout à l'heure, j'ai vraiment pas eu de chance, deux fois dans le même tour. Ça tue forcément des persos qui ont pas beaucoup de vie. Quoi. Le choix, hein. Qu'est-ce qu'ils ont comme objet sympa? Rien de spécial. Ouais. Tant pis, on va continuer avec 4 persos. Ah, c'est vrai que je fais pas d'XP avec les persos. Ça va me coûter cher, hein, au moment. On peut limite faire ça. Hein. De toute façon, on a plus besoin de se soigner. Il va nous toucher. Là, ça fait mal. Pourtant, je vous assure que c'est loin d'être un boss surpuissant. Hein. Voilà, je suis pas préparé donc forcément. Un boss moyen donne du fil à retordre. C'est là que la rune résurrection que j'ai trouvée, j'aurais peut-être dû la mettre. J'aurais dû retourner en ville pour la mettre, parce qu'en plus on a maintenant on a de l'argent hein, vu qu'on a fait des combats aléatoires dans le donjon. Ça va, c'est pas la pire des attaques.
partout. Ouais, c'est vrai que sans un ami, c'est chaud. Attends, en plus, il attaque les bons persos, solo. Je suis un peu dans le caca là. C'est un peu loin que je sens. C'est putain ça. Tant pour y aller à la bourra. Ouais, je sais pas, j'hésite. Allez, on va soigner quand même. Non. En fait, c'est beaucoup de chance quand même. S'il nous fait les attaques au bon moment. Et là, la très mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai plus rien pour. Quasi plus rien pour me soigner. Il reste ça. Il en reste deux, mais ça suffit pas. On pourrait prendre ça, ouais. Vous savez quoi, on s'en fout un peu. Allez Oulan, allez défonce-le. C'est un truc de fou, comment je suis en bois. Je suis en papier. En papier cul même. Putain. T'as la moitié de la vidéo, ça va être le combat du boss quoi. Et encore c'est loin d'être le boss le plus long du jeu. Qu'est-ce qu'il a contre Taiho? C'est un truc de fou quoi. Il a tué sa mère ou quoi? Oh putain, ça c'est l'attaque la plus puissante hein. D'ailleurs maintenant il le pense. Putain mais il est incroyable ce salopard. Ah putain je suis dans la merde, je n'ai plus rien. Bourrine, qui est la seule qui fait des dégâts ici. Bah lui il a pas le choix, il a plus rien. On va prendre le poisson grillé. Désolé Taiho, je t'emprunte ton poisson. Merde. Ah putain. C'est lamentable hein. Je vais cliquer sur auto. C'est pas possible, il y a combien de vie? Non. Wow, c'est trop chaud. Oh putain. Oh là là, mais c'est pas possible, je vais pas perdre contre lui. Putain! Wow! Eh là, faut vraiment que je m'occupe de mes persos un peu. Hein. C'est quoi ce massacre? Putain de merde.
En plus, c'est vraiment pas un boss, je me répète, hein, mais c'est loin d'être un boss super puissant, quoi. C'est ridicule comment je viens de me faire massacrer là. Alors attendez, il faudrait pas que je me fasse tuer comme un con ici. C'est pas grave. Hein. Normalement, je devrais pas avoir de combat d'ici la fin. Ah là, vous avez été témoin d'un. D'un truc pas mal. Bah après, je pense que c'est mieux à regarder en vidéo qu'un boss où je le défonce en 2 secondes ou un boss où je perds, mais de toute façon j'aurais recommencé la vidéo. Donc là comme vous le voyez, on est ressorti des égouts et on est arrivé justement dans le quartier des kobolds. Forcément, il a dû croire que c'était de l'espionnage. Voilà, donc c'était pour ça qu'il était énervé. Hein. On va dire ça. J'étais en train de me dire heureusement que j'ai coupé la vidéo la dernière fois avant le boss quoi, parce qu'elle aurait duré 40 minutes. Hein. Je leur parle juste pour le barque, ça me fait rire. Voilà, donc là on fait fichier, vie de merde, personne nous aime. On part. On va passer un petit tour à l'auberge. Ouais, ça se voit tellement qu'ils veulent pas la guerre. Ils veulent pas la guerre, après le gars il me dit j'espère vous rencontrer sur le champ de bataille. Normal. Ah, pour l'instant c'est super facile hein, les phases de combat tactique là qu'on voit d'habitude avec les armées. Mais à la fin du jeu, c'est super chaud. Après, tout dépend de si on a recruté beaucoup de persos, parce que
des persos qui donnent des avantages aux... aux armées. Ouais, les Wingers ça s'appelle. Je pense que je vais arrêter là. Je sais que l'histoire a pas encore beaucoup avancé, mais là c'est de ma faute. C'est le boss qui a duré 10 ans. Je vais me rééquiper. On va faire un... On va se soigner aussi. On va se soigner, je vais me rééquiper. Pour la suite du jeu, enfin je pense que je vais le faire, on verra. Ouais. Ça... Pourquoi j'ai une sauvegarde de 10-38 et une sauvegarde de 10-30? C'est bizarre ça. En plus c'est pas dans le bon ordre. J'ai dû sauvegarder au même endroit je pense. Bon enfin bref. Du coup 11-4, 19, là, hop. Voilà. Donc je vais sauvegarder. Je vais essayer d'améliorer un peu mes... mes persos. En fait pour l'instant je n'augmente pas mes persos parce que je compte faire plus tard un vrai groupe. Parce que par exemple Taiho je pense pas le mettre, ni Yoshino hein, dans mes gros soldats pour la fin du jeu quoi. Donc je préfère garder mes runes pour l'instant pour les... voilà, bah, c'est des runes puissantes, hein. Feu, vent, ces gros sorts de zone. Ou même des sorts sur un perso, hein, à un niveau. Résurrection, c'est porte bleue, c'est complètement génial. Ça, c'est deux runes super puissantes. Hein. Ça, c'est une... en fait, c'est une rune d'invocation. Dryad, bah, c'est un spécial, c'est pas très puissant. Et en fait, je compte garder les runes comme résurrection porte bleue, je compte les garder en fait pour d'autres persos donc. C'est pour ça que pour l'instant mes persos n'ont pas de... ne sont pas puissants. Sauf que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est également améliorer l'équipement. Et ça fait un bail que je l'ai pas fait. Ça fait plusieurs villes que où je passe dedans sans rien faire. Et c'est pour ça que mes persos sont aussi faiblards. Apparemment il n'y a pas d'armurerie ici, ça va être assez chiant. Écoutez, de toute façon on verra plus tard. J'ai pas besoin de combattre pour l'instant. Dans la suite du jeu là, bon, je vais pas vous spoiler mais il y aura pas de combat de boss tout de suite. Donc pour l'instant on va rester comme ça. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite. Que va-t-il se passer? Est-ce que le... j'allais dire son nom. Son nom là, son titre bizarre. L'Apollinaire, je sais pas quoi là. Non, l'Apollinaire, c'est pas ça. Enfin, Makai, voilà. Je m'en rappelle même plus de son nom. Est-ce que Makai va accepter le traité de paix? Est-ce que l'Armée Island a un plan derrière la tête? Est-ce qu'on va récupérer notre portefeuille? Que va-t-il se passer avec les kobolds? Vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis salut, à la prochaine vidéo où l'histoire va enfin avancer cette fois, je vous le promets. Et puis il y aura peut-être quelques recrutements dans la prochaine vidéo ou la suivante, je sais pas. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je connais le jeu, mais c'est difficile à dire combien de temps dure. Parce que j'essaie de faire des vidéos de entre 20 et 30 minutes. C'est dur de dire d'avant combien de temps prennent les événements. Dans mes souvenirs, je le sais pas trop. Bon, en tout cas, là, la suite de l'histoire avance tranquillement et on va continuer à avancer dans la prochaine vidéo. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, salut, bon vent, à plus, tout ça, bisous, machin, salut!